Derrière les musées, archives, bibliothèques, champs de fouilles, monuments historiques, nous vous emmenons dans les coulisses du métier comme vous l'avez probablement rarement entendu. Bienvenue dans le podcast Art à cœur, un podcast créé par les professionnels qui sauvegardent la culture. Chaque épisode donne la parole à un ou une conservatrice restauratrice qui nous partage sa vision du métier. Cette saison, je serai accompagnée de professionnels qui travaillent spécifiquement pour les collections publiques. On prend la place. Je m'appelle Sigui, ma spécialité c'est le support papier, et je tiens une chaîne YouTube sur l'histoire de l'art et du patrimoine. Mais dans le podcast Art à cœur, je lâche le micro dans les réserves. Sur ce, bonne écoute. Dans cet épisode, je suis accompagnée d'Amélie Couvrat-Dévergne, conservatrice restauratrice de papier et livres, spécialiste des manuscrits islamiques. Bonjour Amélie. Bonjour Ségolène. Merci d'être là aujourd'hui. Merci, à toi. On va parler de ta spécialité et je veux bien que tu m'expliques justement ce que c'est un manuscrit islamique. Alors c'est vrai que le terme islamique peut être assez... déroutant, je vais te dire, parce qu'il y a cette connotation, hein, islam, islamique. Mais en fait, c'est un manuscrit ou même une œuvre qui est produite en terre d'islam, c'est-à-dire dans les régions du globe où la religion dominante est l'islam. C'est une région qui est très vaste, hein, parce que on va dire qu'elle comprend à l'ouest l'Andalousie, mais que jusqu'au XVe siècle. Et puis, ça va jusqu'à la Chine. Donc ça englobe des territoires gigantesques, aussi bien en Afrique qu'en Asie et en Europe également. Parce qu'il y avait également la Turquie ottomane et certains pays des Balkans. J'aurais presque dit d'Orient, mais en fait ça marche pas parce que ça n'inclut pas l'Espagne. Non, ça n'inclut pas la partie occidentale de ces régions. Et il y a beaucoup de gens aussi pendant un temps... On parlait de manuscrits arabes, mais arabe n'est pas le terme qui convient non plus, puisque arabe, c'est la population arabe, et que les terres d'islam, ça englobe également la Turquie, le peuple turc et le peuple persan, entre autres, et les peuples chinois ou même indiens. Qui ne parlent pas l'arabe, du coup. Qui ne parlent pas l'arabe. Comment tu travailles, toi, aujourd'hui, justement ? À l'heure actuelle, je suis installée aux Pays-Bas. Ça fait 6 ans que j'y habite. Et en ce moment, je suis à mon compte, donc je suis enregistrée à la Chambre de commerce et je travaille pour différentes institutions. Au tout début, quand je suis arrivée aux Pays-Bas, j'ai d'abord eu un contrat de 2 ans au Rijksmuseum, dans la section papier. Ensuite, j'ai fait un projet au musée d'art ethnographique, ce qui correspond un peu au musée du Quai Branly à Paris. Et puis, depuis 6 mois maintenant, je suis vraiment à mon compte et j'effectue différentes missions dans des archives ou dans des musées. D'accord. Pourquoi les Pays-Bas alors ? Ah, c'est une très longue histoire qui implique aussi bien le professionnel que le personnel, un peu comme toutes mes consoeurs et mes confrères en restauration. Hein, il y a beaucoup de parts personnelles et professionnelles dans ce métier. J'ai quitté Paris il y a un certain temps pour d'abord aller au Qatar, au Moyen-Orient, où je suis restée avec ma famille pendant 5 ans. Et puis, on a décidé de revenir en Europe et j'ai suivi cette fois-ci mon mari qui a trouvé un travail aux Pays-Bas, donc je l'ai suivi. Et par chance, j'ai eu ce travail au Rijksmuseum pendant 2 ans, ce qui m'a permis de faire la transition parce que arriver dans un pays qu'on ne connaît pas, où j'avais vraiment très très peu de contacts, avoir tout de suite un travail en tant que salarié, c'est bien pour s'habituer à la vie dans ce nouveau pays, avoir un pied dans la vie professionnelle. Donc j'ai commencé comme ça pendant 2 ans. Après, mon contrat s'est terminé et puis j'ai eu la chance d'enchaîner sur ce projet de recherche et de restauration au musée Fouque Kunde, qui s'appelle musée, qui pourrait se traduire musée des peuples ou des cultures. Ce musée est à Leiden, aux Pays-Bas, oui. Donc là, tu viens de Leiden en ce moment ou...
J'habite à Utrecht, qui est la troisième plus grande ville des Pays-Bas. Ce qu'il faut savoir, c'est bon, tout le monde le sait, les Pays-Bas, c'est un petit pays. Donc, il est très facile de voyager entre les différentes villes, surtout les plus grandes villes, hein, comme Amsterdam, Leyde, Rotterdam, La Haye. C'est très facile de prendre le train. C'est un pays qui est très, très connecté. Donc, c'est vraiment facile de voyager. Pas besoin de réserver un billet de TGV. Il y a des trains toutes les 20 minutes ou toutes les demi-heures. Donc, voyager d'un endroit à l'autre, c'est vraiment simple, en fait. Ouais. Je te demanderai conseil parce qu'il y a deux jours seulement, je regardais les trajets aux Pays-Bas pour me faire un petit périple, tu vois. Et en effet, au bout de 30 minutes, tu es dans toutes les villes. C'est très, très simple. Et surtout, t'as pas besoin de réserver de ticket. Tu achètes ton billet et voilà. Donc ça fait sens finalement que tu aies pu justement expérimenter, travailler dans plusieurs cadres au musée. Oui. Donc t'es passé du Rich Museum au Musée des Peuples, c'est bien ça. Le musée des cultures des peuples, qui se trouve à Leyde. Et donc j'ai enchaîné sur ce projet qui impliquait la conservation, mais aussi la recherche sur une collection de dessins provenant d'Inde et plus particulièrement de l'Inde occidentale sur les conforts de l'Himalaya. Donc c'est une région qui s'appelle les monts du Punjab. Et ce musée donc possède cette collection vraiment intéressante de à peu près 134 dessins. Et donc le but était de faire de la recherche sur les matériaux, sur les œuvres en elles-mêmes, ce qu'elles représentent, puis principalement sur le papier, parce que je m'intéresse beaucoup au papier dans ces régions, aussi bien au papier dit islamique qu'au papier de l'Asie du Sud, et puis également de procéder à leur restauration en vue de leur exposition future dans les galeries du musée. Je veux bien que tu nous expliques un petit peu à quoi ressemble, nous donner à voir un petit peu ton planning, si j'ose dire, dans un musée comme ça, pour qu'on se rende compte concrètement de tes missions. Et puis ensuite, je pense que le mieux, ce serait que tu nous parles donc de cette spécialité dans la spécialité que tu es en train de gagner dans cette expertise. Pour ce projet en particulier, j'ai travaillé au sein de l'institution. Les musées en général aux Pays-Bas ont souvent, surtout si c'est un grand musée, un musée national, on va dire ça comme ça, ont souvent leur propre atelier, en tout cas des endroits qui peuvent servir pour les restaurateurs freelance comme moi. Ce qui était très bien là-bas, c'est que j'avais accès donc à toutes les facilités du musée, mais j'étais aussi en contact avec les professionnels, l'équipe régie, les conservateurs. Donc j'étais pas toute seule et c'était bien de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Le musée donc de Leyde est un musée très riche où il y a beaucoup de collections des 5 continents. Donc c'était fascinant dans l'atelier, un peu comme quand on travaille au Quai Branly, d'avoir des statues, des sculptures africaines avec des objets océaniens. De par l'histoire, ce musée est très riche en œuvres indonésiennes, donc c'était vraiment fascinant de se plonger dans toutes ces cultures différentes. Et en fait, les gens sont très très accueillants, donc sont très ouverts, tout le monde parle anglais, donc la communication est vraiment simple. Et ils sont vraiment ouverts à des projets de recherche, à d'autres personnes qui viennent intervenir et rechercher les collections. Il y a même un programme de fellowship pour les chercheurs, donc c'est vraiment très ouvert. Et fellowship, c'est pour soutenir les professionnels émergents. Oui, là c'est bon. C'est surtout dans le cadre des recherches sur les objets eux-mêmes, sur les collections, pas tellement sur la conservation-restauration. Mais ce qui fait qu'il y a beaucoup de chercheurs qui viennent du monde entier pour étudier les collections japonaises ou chinoises, qui sont très riches. Il n'y a pas de conservatrice-restauratrice de papier là-bas? Oui, étant donné que le papier est quand même mineur dans ces collections, puisque c'est des collections ethnographiques, il y a des restaurateurs en objets organiques. Mais oui, pour tout ce qui est spécialité comme le papier, les peintures à l'huile, ils ont aussi des peintures, les textiles par exemple, ils font appel à des restaurateurs freelance, extérieurs. Donc ponctuellement pour des missions comme peut-être cet ensemble de 135 dessins. Oui, c'est-à-dire que pour les expositions, pour les prêts par exemple, ils peuvent faire appel à des restaurateurs spécialisés. Et puis ils accueillent aussi beaucoup de stagiaires. D'accord. Oui. C'est bon à savoir. Oui, c'est le fonctionnement, c'est pas complètement différent en France. Par contre, ce qui est peut-être différent, c'est que les conservatrices, restauratrices papier sont rarement accueillies dans la structure muséale, plus rarement.
C'est-à-dire que ça dépend de ce que le musée a comme équipement et comme espace. Mais c'est vrai que d'après ce que j'ai pu observer lors de différentes missions, et puis tout dépend de la lourdeur du traitement aussi, mais c'est vrai qu'il y a souvent des espaces qui sont disponibles pour les extérieurs. Voilà. Pour traiter les collections du musée, bien évidemment. C'est vrai qu'en plus, il y a toutes ces questions d'assurance. C'est quand même plus rassurant, c'est quand même plus confortable de travailler. Ouais. Et ils ont beaucoup d'équipements, en fait. Oui. Ce qu'on peut peut-être leur préciser pour les personnes qui écoutent, en France, en général, il y a un marché public, oui. Donc il y a une commande passée par le musée à l'extérieur, et c'est donc des restauratrices indépendantes qui vont monter un dossier et puis tenter donc, d'avoir la mission dans leur atelier. Oui. Alors, aux Pays-Bas, le système de marché public existe aussi, mais pour des lots très importants. S'il s'agit de quelques pièces, on n'est pas nécessairement... Il n'y a pas de marché et on n'est pas nécessairement mis en concurrence. C'est ça qui est assez agréable, en fait. C'est que systématiquement, on n'est pas mis en concurrence. Et il y a moins de lourdeur administrative qu'en France, par exemple, où il faut faire un devis. On n'est même pas toujours obligé de faire des devis officiels. On n'a pas de bon de commande. Tout marche sur la confiance, oui. Et on va travailler. On émet une facture avec un numéro de budget. Et on est payé assez rapidement. Voilà. Parce qu'en France, en fait, il y a une obligation de mise en concurrence. Ouais. C'est-à-dire que le musée doit faire appel à au moins 2-3 personnes différentes. Enfin, c'est pas faire appel. Il fait appel général et à 2-3 dossiers retenus. Oui, c'est ça. Et comparer obligatoirement. Et il y a une obligation de ne pas reprendre la même personne tout le temps. Oui. Là, pour le moment, moi, je n'ai pas été confrontée à ça. Je pense parce qu'aussi, on m'avait demandé de faire des choses très spécifiques, qui faisaient appel à mes connaissances. Mais aussi, il y a beaucoup d'institutions aussi qui aiment bien faire tourner. Donc, j'ai travaillé pour le musée d'art moderne et ils prenaient pour des constats d'État des restauratrices qui faisaient tourner pour que ce soit assez équitable, en fait. C'est assez transparent. Les gens sont honnêtes et c'est transparent. Oui, c'est assez... Je dirais pas que c'est culturel, mais en tout cas, on a cette... Pour les Français, je ne vais pas... que c'est culturel français. Par contre, c'est vrai qu'on a cette image des Pays-Bas comme pays très transparent, très... Non, c'est assez... tout est assez... très ouvert. Moi, j'apprécie cette façon de travailler. Tu es restée un certain temps déjà. Je rentre dans ma 6e année. Voilà. Mais maintenant, je suis complètement freelance. D'accord, complètement freelance. Okay, très bien. Du coup, si tu nous parlais peut-être de ce projet que tu as... Oui. Auparavant, j'avais déjà beaucoup travaillé sur les manuscrits, on va dire islamiques, l'art indien en général, les miniatures indiennes, les miniatures persanes. Et j'avais eu connaissance de cette collection qui est vraiment fascinante par hasard. Et j'ai proposé à la conservatrice à l'époque de faire ce projet de recherche et de conservation. Et elle était vraiment, elle était partante, elle était ravie. Simplement, le musée à l'époque n'a toujours pas les budgets pour ce genre de choses. Les budgets sont principalement pour des projets bien spécifiques ou des expositions. Donc, j'ai fait une demande de financement par le biais de la Bibliothèque Royale, un projet qui s'appelle Métamorphose. Et j'ai eu le budget, donc j'ai pu entamer par moi-même ce projet. En indépendante, j'ai amené mes compétences et aussi bien mon budget, donc j'étais vraiment indépendante. Mais tout ce qui était décisionnel, évidemment, m'appartenait pas. Ça appartenait au musée. Et j'ai travaillé en collaboration et en discussion constante avec la restauratrice senior et la conservatrice pour des choix de traitement, pour les montages, jusqu'où on pouvait aller. Faut savoir que travailler dans un musée d'art ethnographique, c'est différent. Il faut vraiment l'impact culturel, le facteur culturel a beaucoup d'importance. Donc, les choix de traitement sont vraiment discutés. Et savoir jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et donc, il y a eu pas mal de discussions parce que l'art de cette région, donc ses dessins, sont d'influence hindoue, ne sont pas d'influence islamique, puisque les rajas de cette région étaient principalement hindous. Donc, la création artistique est d'une certaine façon indissociable de l'hindouisme, de la religion hindoue. Et il y avait ce qu'on va appeler des peintures de dévotion,
des peintures représentant ou des dessins représentant des dieux ou des épisodes épiques issus des grandes épopées hindoues. Donc il y avait tout cet aspect religieux et culturel à prendre en compte et à respecter. Il y avait clairement des peintures qui avaient des traces de culte, par exemple. Donc il fallait préserver tout cela, tout en assurant... on voyait très bien que les peintures avaient été touchées, les dieux avaient été touchés, ou simplement, les peintures sont parfois juste exposées dans un hôtel, à l'intérieur d'un foyer, par exemple. Donc simplement, il y avait des traces d'accidents de la vie domestique, des projections, des taches. On voyait que l'objet avait été exposé parce qu'il y avait des trous dans les coins, des traces. Non, pas tellement de la cendre, mais des salissures. Il n'était pas toujours difficile de déterminer l'origine de ces traces. Nous avions une peinture qui était constellée de traces rouges. Mais c'est pourtant avec ça qu'on leur fait des souvenirs aux petits. La pêche, les tartes, tout ça, c'est du patrimoine. C'est du patrimoine, ça? Enfin, moi, je sais pas si je leur laisserai manger ça, mes enfants. Nous n'avons pas pu faire, malheureusement, d'analyse dessus, mais elles ont été bien évidemment conservées parce qu'on ne savait pas ce qu'elles étaient. Donc, savoir respecter, en fait, toute l'histoire de ces peintures, savoir non seulement les comprendre, qu'est-ce qu'elles représentent, et en plus, garder tout cet aspect dévotionnel, comment elles étaient utilisées. Oui. Et alors, quels sont les supports de ces peintures et donc de ces dessins? Le papier. Voilà. C'est le papier qu'on connaît en Occident? Non, pas du tout. C'est un papier non filigrané, bien évidemment, fabriqué avec une forme qui dérive, on va dire, de la forme arabe. Donc une forme composée d'un espèce d'écran en bois solide sur lequel vient reposer un tamis constitué de joncs ou de fibres végétales nouées les unes entre les autres par du crin de cheval, donc un peu la forme arabe. En Inde, cette forme est également employée. Donc le papier est un papier de fabrication locale. On connaît, c'est assez bien documenté, il y a eu des personnes qui ont fait des recherches sur le terrain, il y a eu des voyageurs, par exemple, qui ont documenté la fabrication du papier. Et puis, il y a aussi des études plus contemporaines, des études ethnographiques également, qui ont été faites. Donc, on a une assez bonne documentation de ces différents centres de papier. Mais lors de ma recherche, je me suis principalement concentrée sur l'étude des papiers de cette collection, afin de mieux le comprendre, de savoir si c'était possible de le caractériser, et puis de savoir s'il était éventuellement possible de savoir où il avait été fabriqué, parce que dans cette région du nord-ouest de l'Inde, il y avait plusieurs fabriques historiques, une au Cachemire, une au Pendjab, certaines au Rajasthan ou au Gujarat, qui étaient bien connues, qui produisaient différents types de papier. Et donc j'ai essayé de voir si, en faisant des analyses, en faisant des recoupements avec d'autres corpus, en développant également un protocole de relever des données macroscopiques et microscopiques, de voir si on pouvait déterminer l'origine de ces papiers, ce que je pense avoir réussi à faire. Alors, attends, regarde un petit peu de suspense. La différence, tu peux nous réexpliquer peut-être ce que c'est que le filigrane dans le cadre occidental, et du coup, à quoi ressemble finalement cette fibre d'un papier arabe ou islamique ou hindou? Le papier en Occident est fabriqué avec une forme, ce qu'on appelle fixe. C'est sur un cadre de bois, sont tendus des filets en métal, et celui qui va fabriquer la forme va tisser un petit motif avec des fils métalliques sur ces tiges de métal qui pourront donner diverses indications, peut-être le format de la feuille ou simplement où il a été fabriqué, le nom du papetier, le nom du moulin et parfois même une date. L'étude de ces filigranes est extrêmement compliquée. Il y a eu beaucoup de bases de données, beaucoup de recherches. Il y a des ouvrages de référence, bien évidemment. Mais principalement cette forme a été employée dans tout l'Occident, en tout cas dans les régions européennes. Au Moyen-Orient, dans les terres islamiques et aussi en Asie du Sud, où les papetiers n'utilisaient pas ce filigrane. Comme je l'ai dit, le tamis était fait de tiges végétales. Et puis, je pense que c'était pas la tradition, c'était pas leur façon. Donc, comment dire, documenter et rechercher un papier fait
dans ces régions est extrêmement difficile puisqu'il n'y a pas toutes ces informations véhiculées par le filigrane. Des distances, des traces, voilà. On a quand même toutes ces empreintes sur la feuille laissées par le tamis. Donc on peut avoir des empreintes laissées par ce qu'on va appeler les vergeures, mais qui sont en fait les tiges végétales. Et puis on va avoir les empreintes laissées par le crin de cheval, qui sont utilisées pour lier ensemble, maintenir ensemble ces tiges végétales. L'équivalent de la ligne métallique dans le tamis aussi. Voilà, c'est ça. Ce qu'on appelle communément le pontuso dans le papier occidental. Ça peut nous donner une indication quand c'est visible. Ce n'est pas toujours visible. Voilà. Quel type d'indication, par exemple, un crin peut laisser dans la forme du papier ? C'est pareil, c'est une ligne d'eau. Pour l'analyse de ces papiers, ces informations sont à prendre telles quelles, mais elles ne sont pas suffisantes. Il faut bien sûr beaucoup plus d'informations recroisées avec d'autres papiers d'autres régions. Mais ça peut quand même donner des indications, et je tends à croire qu'en Inde, à certaines époques, il y avait des schémas pour fabriquer ces formes, et que dans certaines régions ou pour certains types de papier, ce qu'on appelle les chaînettes, ces fils d'eau de crin de cheval, avaient certaines distances, certains espacements, pour certains papiers spécifiques, et dans certaines régions, oui. Spécifique, voilà. Pour un usage particulier ? Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, comme en Europe, mais avec différents critères, il y avait différents types de papier qui étaient fabriqués, différentes qualités selon les usages qu'on avait. Par exemple, en Inde, le papier de meilleure qualité, c'était celui utilisé pour les correspondances et pour les documents politiques. Donc, il y avait évidemment une classification de ces papiers, oui, en fonction de leur utilisation. Et toi, alors, tu as découvert quelque chose, ou en tout cas, tu es arrivé à peut-être un succès, un résultat ? Oui, alors, donc, dans cette région de l'Inde, comme je disais, ça s'appelle les monts du Pendjab, parce que ça fait partie de cette plus grande région, la région, le département, l'état du Pendjab, qui est aujourd'hui divisé en deux, d'un côté l'Inde et de l'autre côté le Pakistan. Et il y avait une certaine de forme de communication de bouche à oreille qui disait que le papier utilisé par les artistes dans cette région s'appelle Sialkoti paper en anglais. Ça veut dire un papier de Sialkot. Sialkot est une ville qui se trouve actuellement dans le Pendjab pakistanais et qui est une des fabriques de papier qui sont historiques et qui ont été répertoriées dans des écrits, donc elles sont connues. Mais simplement, cette qualification, cette appellation n'est sous-tendue d'aucune vérité scientifique. Ce papier n'a pas été étudié. Donc j'ai voulu vérifier si on pouvait classer ces papiers, leur donner des caractéristiques, savoir avec quoi ils étaient fabriqués, et est-ce que oui, ils provenaient de Sialkot ou non. Donc évidemment, c'est pas très facile parce que il y a une telle profusion de papiers, c'est difficile de connaître les origines aussi parfois des objets. En fait, tous les écrits que nous avons, en tout cas moi je ne lis pas les langues, mais tous les écrits que nous avons, la plupart du temps, date du 18e et 19e siècle, donc vraiment de la période coloniale. Anglaise. En fait, cette fabrique a été fondée à la fin du 15e siècle. Elle a perduré jusqu'avant la partition, jusqu'à avant 1947. Donc c'est vraiment un papier qui s'inscrit dans la longévité. Mais moi, le corpus que j'ai étudié était plutôt 18-19e, donc je n'ai étudié que des papiers du 18-19e siècle. Mais c'est vrai qu'en faisant des recoupements, en regardant, parce que je ne me suis pas simplement bornée à étudier la collection de ce musée, j'ai aussi fait beaucoup de visites, aussi bien à la BNF par exemple, que dans d'autres bibliothèques des Pays-Bas, et je suis allée en Angleterre, au Victoria and Albert Museum, à la British Library, par exemple. Et j'ai regardé un corpus beaucoup plus large pour faire des comparaisons. Et je suis allée en Inde aussi, c'est une autre partie du périple, où j'ai pu observer des collections directement, parler avec des gens. Et je pense que ce papier a été fait à Sialkot, avec différents matériaux. Et en fait, en observant les papiers sur table lumineuse, par exemple, on pouvait voir qu'il y avait des constantes dans l'espacement des chaînettes, dans l'épaisseur des tiges végétales, et dans leur répartition, et aussi un traitement de la pâte à papier qui était similaire à travers les différents corpus que j'avais pu étudier. Voilà, c'est ça. Alors la fibre utilisée là-bas, qu'est-ce que c'est ?
Alors, en tout cas, pour le corpus que j'ai étudié, 18-19e siècle, il s'agit essentiellement de matériaux recyclés. C'est-à-dire que, un peu comme en Europe, sauf que c'était pas seulement le chiffon ou les vieilles toiles, c'était aussi des matériaux de l'agriculture, donc des vieilles cordes, des vieux filets, des filets de pêche, des toiles de tente. Beaucoup de choses étaient utilisées. Et en fait, la fabrique du papier se situait tout à la fin de cette chaîne. Donc, quand tous ces matériaux étaient utilisés, ravaudés, rapiécés, réutilisés, aussi bien les chiffons aussi, ils étaient envoyés à la papeterie. Voilà, et ils étaient traités pour être recyclés en papier. On retrouve bien la légende de Tsailun en Chine pour la création du papier, a priori, avec les mêmes, en tout cas. Et la transmission en Asie centrale, ouais. Puisque, en fait, la technologie papetière a été introduite tard, finalement. Si on considère la zone géographique, c'est très proche de l'Iran, donc de l'Asie centrale, mais... Contrairement à l'Asie centrale où les premières papeteries ont été érigées au 8e et 9e siècle, en Inde du Nord, ça ne s'est fait qu'au mi-15e siècle. Donc c'est très tard. Il est admis que la première papeterie était au Cachemire, donc proche de l'Afghanistan et de l'Asie centrale, du Khorasan et ses régions. La technologie s'est disséminée par le sud et l'est dans le pays. Mais il y avait déjà, je pense, l'incursion du papier par le biais des marchands arabes, par le biais des moines chinois, aussi dans d'autres régions. Non, il était peut-être, on ne sait pas en fait, il y a plusieurs hypothèses, on se dit que peut-être il aurait été produit localement dans la région au nord de Bombay, puisqu'il y avait beaucoup de marchands juifs et arabes qui venaient du Caire et qui venaient de la péninsule arabique où le papier était déjà fabriqué, voilà, depuis un certain temps. Donc on sait que les papiers étaient importés par le biais de ces marchands et il y a certaines hypothèses qui disent qu'il était aussi fabriqué, mais de façon locale, pour les usages des marchands locaux, des comptables, de toute cette élite commerçante. Mais que la diffusion de la technologie ne s'est pas faite, en fait. Parce que chronologiquement, pour le petit rappel, on part du principe que ça vient de Chine. Voilà. C'est pris lors de la bataille de Talas. Voilà, et que ça va... Après, ça remonte l'Occident vers, un peu en 14e, bien avant. Avant. Ça s'installe bien, on va dire, le 15e. Voilà, c'est ça. Et que la transmission se serait probablement faite à l'époque andalouse, à l'époque à l'Andalous. Par l'Espagne, occupée en partie par les Arabes. Donc on trouve bien une installation presque parallèle finalement à ce qui se faisait en France et même en Allemagne avec l'imprimerie pour l'Inde aussi apparaîtrait beaucoup plus tardivement en Inde. Oui. Et tu saurais dire, donc, c'est lié peut-être à un événement justement. C'est lié à beaucoup de choses différentes. C'est lié, je pense, à l'installation définitive de la dynastie moghole, qui est une dynastie musulmane qui provient de l'Afghanistan et de ce qu'on va appeler aujourd'hui l'Iran. Cette dynastie moghole définitivement s'installe en Inde du Nord. Il y avait déjà eu des incursions par différents peuples, mais s'installe et que avec l'installation de l'élite moghole, il y a non seulement besoin de papier pour la bureaucratie, mais aussi pour les fameux manuscrits enluminés, les albums, les recueils de poèmes, le Coran, qui était copié à grande échelle et qui s'est diffusé dans l'Inde du Nord. Donc je pense que c'est lié en partie à cela. Avant, les populations locales, les hindous, les jaïnes et les bouddhistes, utilisaient des feuilles de palme. Et puis, en Inde du Nord et du Nord-Ouest, ils utilisaient l'écorce de bouleau. L'écorce de bouleau, c'était à plat ou roulé, et il y avait aussi des codex. Par contre, les feuilles de palme, elles étaient à plat, des longs feuillets oblongs. On ne peut pas rouler. Non, parce que c'est cassant. Mais oui, il y avait simplement des trous percés dans ces feuilles avec une cordelette qui passait. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est marrant parce que l'écorce de bouleau est aussi utilisée en Russie. Oui, c'est ça, tout à fait. Parce que, mais ce support était vraiment cantonné à la zone himalayenne de l'Himalaya parce que le bouleau ne pousse qu'à une certaine altitude ou dans une certaine région. Voilà. Donc dans l'Inde du Sud, par exemple, il n'y avait pas de bouleau. On utilisait principalement des aulnes, ce qu'on appelle des aulnes ou des feuilles de palme.
Et bah alors c'est vrai que c'est très logique cette histoire moghole. En plus, il y a vraiment une grande tradition de l'enluminure. Oui, un grand raffinement. De l'album illustré, un grand raffinement. Tu veux nous en parler de ça justement aussi, de ce que tu apprends au fil et à mesure de tes expériences sur l'enluminure, l'écrit? Oui, alors c'est quelque chose qui me passionne depuis des années. J'avais même commencé pendant mon master à la fac à travailler là-dessus. Et petit à petit, au fur et à mesure de mes projets, de mes rencontres, je me suis spécialisée dans ce domaine parce que ça m'intéressait et que je trouvais ça fabuleux. J'ai travaillé sur plusieurs collections en France, en Europe. Et puis j'ai eu l'opportunité de partir au Qatar en 2012, qui m'a fait vraiment m'immerger totalement dans le sujet en fait. J'avais vraiment envie de ne travailler que là-dessus, j'avais envie de développer cette expertise. Donc j'ai eu la chance d'obtenir un poste au musée d'art islamique à Doha, ce magnifique musée qui est construit sur la mer par Pei, l'architecte de la pyramide du Louvre. Et en fait, pendant 5 ans, je n'ai travaillé que là-dessus. Mais aussi bien, comme je disais, le monde de l'islam est un monde très vaste, aussi bien sur des œuvres de l'Espagne que sur des manuscrits moghols d'Inde du Sud. Donc j'ai travaillé sur beaucoup de choses différentes et j'ai beaucoup appris, non seulement sur les matériaux, sur les techniques, mais surtout sur les objets et sur la culture de l'islam. Je me suis complètement immergée dedans, c'était fabuleux parce que les collections étaient fabuleuses. Et qu'en fait, quand nous étions 2 restauratrices à être embauchées en même temps, et depuis l'ouverture du musée, les collections n'avaient pas du tout été touchées, les objets qui étaient en exposition dans les vitrines n'avaient pas été changés. Donc quand on est arrivé, il a fallu faire un plan de rotation de tous ces objets, instaurer des politiques de restauration, commencer à préparer des expositions... revoir toute la politique de stockage. Donc c'était passionnant parce que tout était à faire en fait. Tout était à faire et c'était un monde en fait qui s'ouvrait devant moi parce que dès que j'avais un objet sur mon établi, eh bien je me documentais sur la période, sur son contexte historique, artistique et en fait j'ai tout appris là-bas. Tout. Il n'y avait pas forcément justement la petite fiche qui vient avec. Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. On avait une base de données où les informations basiques étaient remplies, plus ou moins de façon exhaustive. Il y avait quand même pas mal d'informations. Mais en fait, la documentation, je l'ai faite pour moi-même, aussi bien pour apprendre que pour documenter les objets pour la collection. Mais c'était surtout moi, par curiosité, par envie de savoir. C'est vrai que pour un novice ou quelqu'un qui s'y connaît pas trop, les œuvres peuvent sembler assez similaires. Hein. C'est sûr parce qu'il y a une énorme homogénéité des techniques, des matériaux employés. Bon, même si le matériau comme le papier, par exemple, était local, fabriqué localement. Mais je sais pas si tu connais le livre arabe ou le livre islamique, la reliure, en fait... Sa structure est très homogène d'un endroit à un autre de ces régions. Donc, ça peut, pour quelqu'un qui s'y connaît pas beaucoup, paraître assez finalement semblable et similaire, mais il y a énormément de variétés, variétés temporelles, variétés géographiques, même de sujets simplement. Qu'est-ce qu'on a devant soi? Qu'est-ce que ça montre? Qu'est-ce que ça raconte? Voilà. Parce qu'il y a plein d'aspects différents, mais il y a découvrir l'iconographie, donc la thématique, l'illustration, puis la matière, l'iconographie, pour qui ça a été fait aussi, le patron par exemple, le commanditaire, la matière, donc là aussi c'est beaucoup se documenter, beaucoup lire sur les techniques, faire à notre échelle ce qu'on pouvait comme investigation, comme recherche. Le laboratoire était extrêmement bien équipé, mais nous n'avions pas de méthode analytique. Donc, ça s'est surtout résumé à des observations macroscopiques, mais très détaillées. Mais j'ai beaucoup appris. J'ai commencé à reproduire des recettes. Je me suis particulièrement intéressée au papier teinté, parce que l'art du papier teinté est très très important hein, dans ces régions, surtout en Perse. Mais moins en Europe avant quand même le 18e. Voilà, c'est ça, avant le papier marbré qui vient d'Asie, qui vient de toute cette région. Mais le papier teinté est extrêmement important pour la confection de ces marges fabuleuses, dans les albums et les manuscrits enluminés.
La teinture du papier est une technologie différente de la peinture hein, et de l'enluminure. Donc la feuille, quand elle arrive dans l'atelier, on ne sait pas trop en fait si elle était teinte chez le papetier ou dans l'atelier. Moi, je pense qu'elle était plutôt teinte dans l'atelier en fonction des besoins. Donc il s'agissait de teintures la plupart organiques, comme on va dire la cochenille, comme l'indigo, le safran, le curcuma. Enfin, il y a beaucoup d'études qui ont été faites par Mandana Barkeshli, par exemple, qui est une chercheuse iranienne qui a fait beaucoup d'analyses. Il y a certaines, on va dire, illustrations de marge de certains albums moghols qui illustrent des artisans en train de teindre du papier ou en train de peindre sur du papier. Donc, on a certains visuels quand même sur... l'artisanat et comment les artistes procédaient pour préparer leurs matériaux. Par exemple, on a beaucoup de petites miniatures ou des illustrations marginales qui représentent un artisan en train de brunir le papier, parce que c'était extrêmement important d'avoir un papier qui était bien apprêté et bien poli. Donc on voit l'artisan qui a remonté ses manches, il a étalé sa feuille sur un bloc de marbre, et puis il tient un polissoir dans sa main et on le voit à l'action. Et c'est passionnant parce qu'il y a énormément de peintures. On dit brunir, certains disent polir. Voilà, en fait, c'est appliquer dessus un empois, enfin une colle, la plupart du temps de l'amidon, de riz ou de blé, la laisser sécher bien évidemment, et puis ensuite utiliser un polissoir pour qu'elle soit bien plate, qu'il n'y ait pas d'aspérité, sur lequel le calam, la plume, enfin ce qu'on va appeler le roseau coupé du calligraphe ou de l'enlumineur, ou le pinceau de l'enlumineur, puisse glisser sans obstacle. Voilà. S'agripper, voilà, et faire un pâté. Le problème de l'escriptorium. Voilà, c'est ça. Voilà. Dans un autre genre. Et la teinture, c'est... Et ça dépend, parce que j'ai trouvé des papiers où il y avait clairement des traces de brosse, mais c'était pas un papier qui était de très grande qualité. Je pense que la plupart du temps, c'était par immersion dans des cuves. Pas dans la fabrication. C'était pas en masse. Ça, c'est sûr que non. Il y a des artisans aujourd'hui avec qui tu as pu justement dialoguer, mais c'est très difficile de trouver des artisans locaux. Alors, il y en a toujours, mais il y en a beaucoup, par exemple, en Turquie, parce que l'art de la calligraphie, l'art de l'enluminure, l'art du papier marbré, ébrou, est très, très important, et c'est considéré comme un trésor national. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui sont récompensés, qui ont des awards par le gouvernement. Donc, je pense que si quelqu'un veut aller se former, c'est en Turquie qu'il faut aller, parce qu'il y a encore... Et c'est ouvert, c'est beaucoup plus ouvert. Et je pense qu'il y a encore, oui, des artistes... en Iran. Ce qui est difficile, c'est de trouver des artistes vraiment qui utilisent les techniques anciennes. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui produisent en masse pour les touristes. Oui. Donc, mais en Inde, je connais plusieurs artistes, oui, qui utilisent les méthodes traditionnelles, les pigments traditionnels, enfin, ce qu'ils peuvent encore trouver, et qui utilisent les méthodes traditionnelles. Oui, j'en connais quelques-uns. J'en profite pour poser une question qui m'intrigue. J'avais lu une fois que le papier marbré aurait été inventé, alors après c'était un peu une légende ou réalité, mais inventé pour justement les documents fiscaux. Je ne sais pas trop, parce que j'attends avec impatience une thèse qui doit sortir. C'est vrai que, comme j'en parlais, le papier dans ces régions était très encollé et très poli. Donc il était très facile de le falsifier, parce que cet encollage constituait une couche à la surface du papier, et l'encre ne pénétrait pas dans le matelas fibreux en fait du substrat. Donc c'était très facile de le falsifier. C'est pour ça qu'il y avait plusieurs types de papier qui étaient fabriqués, et le papier pour la diplomatie ou la bureaucratie était un papier différent qui était moins encollé, où l'encre pouvait pénétrer plus profondément. Mais c'est vrai que, par exemple, les papiers du 19e siècle qui sont énormément collés et polis, il y a beaucoup de bavures, parce que il suffit que quelqu'un ait eu les mains mouillées, ou les gens n'étaient pas toujours précautionneux quand ils manipulaient leurs manuscrits ou sales, et ça laisse des traces. L'encre est complètement dissoute, en fait. On cherchait une cliente surtout esthétique, finalement. Oui, esthétique. Et puis, pour les facilités aussi. Et puis, quand le calligraphe ou le scribe faisait une erreur, c'était facile de corriger. Oui, donc, il y avait un vrai intérêt. Voilà. On se retourne contre... Voilà, c'est ça. Et il y a aussi... j'ai lu récemment dans un texte
qu'il y avait cette volonté de recycler le papier. Donc des papiers qui n'avaient pas d'intérêt étaient réenvoyés au moulin et ils étaient recyclés. Voilà, déjà. L'encre était lavée parce qu'elle s'en allait très bien. Pour revenir à ta question d'origine, j'attends avec impatience la thèse de Jake Benson qui va sortir sur le papier marbré. C'est un grand spécialiste et il va vraiment, il a essayé de déterminer d'où vient le papier marbré, ouais. Pourquoi il a été inventé et puis son cheminement en fait. Voilà. C'est très poétique en fait, c'est ce qu'il trouve, c'est qu'il a étudié les textes principalement et sa relation, du moins dans ces régions, entre les motifs de la marbrure et les textes qui ont été inscrits dessus, souvent des poèmes, des quatrains, des versets ou d'autres choses. Et c'est ça en fait, parce qu'il lit les langues et il a été capable de traduire tous ces textes. Pour rester dans la couleur et la poésie, du coup, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'enluminure, l'équivalent oui. de l'enluminure, et puis peut-être du contenu aussi de ces ouvrages que tu as pu traiter. L'enlumineur disposait d'une palette assez large, mais qui, finalement, les pigments ressemblaient assez à ce qu'on avait en Occident. Il y avait bien sûr des variations locales, mais comme le fameux jaune indien, par exemple. Mais il utilisait le lapis lazuli, le vermillon, le vert de gris, tous ces pigments, le blanc plomb par exemple. Il a élaboré une première composition. Ça pouvait être avec un fusain ou un encre de différentes couleurs, oui. Je pense que les enlumineurs les plus expérimentés n'avaient pas toujours besoin d'avoir un dessin préparatoire. Et puis, ils commençaient par tracer les lignes. Alors, la plupart du temps, ils utilisaient des pinceaux. Alors, le calame, hein, le roseau, était pour le calligraphe ou pour le scribe, mais eux utilisaient des pinceaux de différentes épaisseurs, de différentes largeurs, fabriqués avec, on dit, les poils de la queue d'un écureuil ou les cils de chat, par exemple. Oui, ou les cils de chameau aussi. C'est ce que j'ai lu dans certains livres. J'ai vu les cheveux de bébé pour le Japon. Ah, ça, non, j'ai jamais vu, mais bon, peut-être. Différentes faunes locales. Voilà. Les cils de chameau qui sont extrêmement longs. Je pense que dans certains cas, mais c'est pas lui qui fabriquait ses couleurs. Hein, donc les couleurs étaient mixées, le plus souvent mélangées avec de la gomme arabique, mais ça pouvait être aussi avec du blanc d'œuf, par exemple, protéinique, selon les pigments. Et dans les ateliers royaux, c'était bien sûr très hiérarchisé, donc c'était les apprentis qui fabriquaient les pigments. Oui, c'est assez codifié. On dit qu'à la fin, les dorures, l'or était appliqué. Ça peut s'apparenter à ce qu'on pourrait qualifier de gouache chez nous, parce que moi, je préfère le terme d'aquarelle opaque, c'est-à-dire que c'est des pigments qui sont opacifiés par une charge minérale. Tout dépend de où c'était appliqué et à quel stade. C'est-à-dire qu'au début, on commençait par appliquer des couches qui étaient assez opaques. Et à la fin, on finissait par des couches plus fines. Comme ouais. Des glacis. Voilà, c'est ça. Il y avait, en fait, l'application de plusieurs couches intercalées avec un polissage, un brunissage. D'accord. Ça pose des problèmes, du coup, niveau de décoration, ces couches. Ça pose des problèmes parce que souvent l'accroche ne se fait pas très bien entre les couches picturales et le support. Oui, ça glisse déjà. Ça fait des écaillages. Ouais. Oui, ça glisse d'une part à cause du polissage extrême du papier et ensuite à cause de ces brunissages répétés. Et ça ne constitue pas une accroche suffisante entre les couches picturales et le papier. Une grande partie du travail consiste souvent à faire des consolidations de couches picturales pour refixer ce qui est instable. En plus, c'est que si c'est dans un album ou si c'est dans un livre, le problème est d'autant plus accentué parce qu'il y a le phénomène de tourner la page. Donc la page se courbe et contribue à la fragmentation en fait de ces couches picturales. Donc maintenant, dans le contexte muséal, on est un peu moins confronté à ça parce qu'on les manipule moins, mais dans une bibliothèque, ça reste un problème. Comme à la BNF, les manuscrits sont communiqués, ce qui est bien. En fait, il faut trouver un adhésif qui convient. Moi, je préfère les adhésifs organiques naturels, comme j'utilise beaucoup la gélatine ou la colle d'esturgeon.
Et il faut savoir doser avec un pinceau très très fin, voir d'une part si c'est nécessaire, évaluer l'état d'instabilité de la couche picturale et ensuite procéder par étapes et par petites touches au refixage. Il y a d'autres outils, hein, il n'y a pas que le pinceau, on peut aussi faire de la nébulisation par exemple pour les couches pulvérulentes, c'est-à-dire vaporiser à la surface un léger voile de particules de consolidation en suspension dans un médium qui peut être de l'eau ou autre chose. Oui, c'est l'ordre du micron, hein. C'est un nébulisateur qui est en gros est emprunté de la médecine qui sert à nébuliser des antibiotiques pour les asthmatiques. Au début, c'est comme ça que c'est venu en fait. On est voilà, c'est ça. Voilà, il faut savoir absorber. Trouver des solutions. Et puis beaucoup communiquer avec les autres, parce que c'est aussi les collègues qui disent « Ah, j'ai utilisé ça, est-ce que t'as ça ?» Et tu essayes et tu trouves ça fabuleux, ou non, t'aimes pas et tu l'utilises pas. Donc oui, c'est beaucoup de communication et de partage. Alors ce que j'aime le plus, oui, c'est de travailler avec des collègues. En fait, quand on est en indépendante, on a la chance de choisir ses collègues, de savoir avec qui on a envie de travailler. On a évidemment des affinités avec certains et pas avec d'autres. Donc c'est un luxe de choisir ses collègues et c'est super aussi d'avoir des vraies relations de partage. Et c'est bien d'échanger parce que souvent on a des cas compliqués et c'est bien de savoir échanger, de se conseiller, d'avoir des conseils ou de conseiller quelqu'un d'autre. C'est vraiment un avantage en fait. C'est vrai que dans tous les pays où j'ai travaillé, j'ai toujours fait des vraies rencontres avec des professionnels passionnés mais aussi gentils, attentifs ou avec qui on a pu échanger. J'ai vraiment, vraiment rencontré des gens formidables, en fait. Donc, vraiment, j'en garde des souvenirs des différentes institutions, des différents projets que j'ai pu faire. J'ai vraiment de très bons souvenirs. Est-ce que tu aimerais le moins, alors ? Moi, je pense que c'est la paperasserie. Mais ça, je pense que tout le monde te dit ça, en fait. C'est le côté administratif, ouais. Ça fait à peu près combien de temps que tu fais ça ? Alors, attends, j'ai commencé en 2002, donc ça fait 21 ans. C'est-à-dire qu'aux Pays-Bas, j'en fais pas trop, parce que comme je te dis, la paperasserie est assez allégée, hein, c'est moins bureaucratique. Mais je garde un souvenir de mes années parisiennes assez traumatisant de la paperasserie, des appels d'offres à répondre, des formulaires à remplir, plus la comptabilité, les impôts. Ouais, et franchement, c'est en fait quelque chose... on n'est pas préparé à ça, en fait. Il faut le dire... Maintenant, je sais que, par exemple, l'INP donne des cours là-dessus, se préparer au marché d'offres, et aux appels d'offres et tout, ce qui, à mon époque, quand j'étais au master, à la MST, c'était la MST à l'époque, on ne préparait pas du tout à ça, en fait. C'est que c'est des compétences qu'on est obligé de les acquérir sur le terrain, mais c'est ni notre goût, ni a priori nos facilités. Oui. On n'y connaît strictement rien. On est balancé là-dedans. Et puis, c'est d'où l'importance, en fait, d'avoir des collègues ou des gens avec qui tu t'entends bien pour partager et trouver de l'aide. C'est se regrouper pour partager ce fardeau, en fait. C'est important. Qu'est-ce que c'est justement pour toi, un bon, un mauvais? Alors là, c'est la question fatidique de l'entretien. Je vais épargner tous les termes. Il faut respecter l'authenticité de l'objet parce que j'en ai déjà parlé au début de l'entretien. Hein, pour en fait, de toute ton expérience et toutes ces rencontres, le but n'est absolument pas de critiquer une pratique, mais non. De voir justement qu'est-ce qu'on acquiert sur le terrain au-delà de l'éthique espérée. En fait, je pense qu'une restauratrice, un restaurateur, c'est qui a acquis une certaine maturité, c'est de savoir dire non, de savoir dire stop. Ben, c'est-à-dire je sais pas faire, ou j'ai un doute, ou je préfère pas faire. Et justement, connaître quelqu'un, ou dire écoutez là, je ne peux pas, ou connaître quelqu'un, ou alors dire simplement il n'y a plus rien à faire. Ce sera moins bien d'agir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on demande tout aux restaurateurs. Oui, faut tout faire. Et aller le plus loin possible. Voilà. Et en plus, quand on est jeune, on a besoin d'acquérir de l'expérience. On a besoin de pratiquer. Donc, on a besoin de faire des traitements qui peuvent paraître lourds, qui peuvent paraître compliqués. Parce qu'on doit, c'est un métier d'expérience. On doit pratiquer. Donc, on a tendance à toujours en faire un peu trop. Mais c'est là que, mais je trouve que maintenant, dans les formations, c'est bien montré, c'est bien pointé du doigt. Il y a beaucoup plus de recul là-dessus.
Et savoir dire, ok, ben là, on va rien faire parce que c'est pas utile ou c'est pas faisable techniquement ou parce que je le sens pas. Toi, t'as fait quoi comme formation? Quel est ton parcours? T'es arrivé là comment? J'ai fait ce qu'on appelait à l'époque MST, maîtrise de sciences et techniques, parce que le master n'existait pas encore. Donc, j'ai été diplômée en 2002. Là, à côté, pas très loin, à Paris 1. C'était à la fac. Et ça se passait comment, le MST, du coup? Ben, en fait, à l'époque, c'était en 5 ans. Comme un master. Hein. Oui, comme un master, mais à savoir qu'on nous demandait déjà à l'époque d'avoir des connaissances. Donc, on était assez vieux, en fait. Mais oui, parce que à l'époque, c'était un peu différemment. Le mode de recrutement était différemment. Les procédures d'admission étaient différentes. Et on nous demandait souvent d'avoir un DUG, ce qu'on appelait un DUG, ou d'avoir une maîtrise en soit de l'histoire de l'art, soit des sciences. Donc on arrivait au master avec un certain bagage, quoi. Enfin, au master à la MST, au certain bagage. Donc moi, je suis sortie, j'avais déjà 29 ans, ce qui est tard, tu vois. Donc on est tous, voilà, c'est ça, les profils sont assez différents. Donc on a commencé, moi, ma génération, mes collègues, on a commencé à travailler assez tard, finalement. Je pense qu'il y a des choses qui ont changé, il y a beaucoup de modules qui ont évolué, qui ont été rajoutés d'ailleurs pour inclure cet aspect administratif, ce qui est bien, je trouve, parce que cette profession évolue, donc c'est bien que la formation évolue. Nous, à l'époque, on avait de la théorie, hein, des sciences, des cours sur les méthodes analytiques, puis on avait de la pratique. On avait du dessin, on avait reproduction des techniques anciennes, donc j'avais fait de la dorure, la peinture des primitifs, voilà, reproduction des techniques graphiques, hein. Ouais. Donc oui. Ça donne le goût que tu pratiques, toi, du coup là. Alors, je pratique un peu la miniature, bah, les techniques de miniature indienne. Oui, je pratique. En fait, pour comprendre aussi comment ça se faisait, comment ça s'élaborait, oui. Comment, en fait, aussi, on obtient ce rendu si fin, si délicat. C'est parce qu'en fait, tout était de trait après trait. Et c'est un procédé qui est très, très long. C'est vrai que je suis parfois amenée à faire des retouches, hein, faut dire ce qui est. Il y a des miniatures, des peintures qui sont extrêmement abîmées, il faut restaurer une certaine lisibilité. Donc je suis quand même régulièrement amenée à faire des retouches et connaître les méthodes aide à construire sa retouche, en fait, et sans outrepasser le geste de l'artiste. Voilà, bon, tous ces grands principes de la restauration. Après, direct, je me suis mis à mon compte à Paris. Ouais, et pendant 10 ans. Et puis après, je suis allée à Doha, voilà. Et après aux Pays-Bas, où je suis toujours. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené dans ce métier? T'as un profil créatif? J'aimais bien le dessin. J'aimais bien, oui, mais c'était pas quelque chose qui m'est, qui va te dire. Ça a pris un certain temps à maturer, à mûrir, en fait. J'ai un profil assez, je vais dire, classique, hein. J'ai fait de l'histoire de l'art, j'ai rencontré une personne un jour qui m'a dit, ah, je connais un restaurateur de peinture, est-ce que tu veux aller le rencontrer? Parce que je faisais l'histoire de l'art et bon, il faut bien trouver sa voix quand on fait de l'histoire de l'art. J'ai rencontré cette personne qui était restauratrice de peinture de chevalet. J'ai fait des stages et puis je me suis rendu compte que le papier aussi pouvait se restaurer. En fait, j'ai préféré le papier, le matériau, les techniques. Puis j'ai eu la chance de pouvoir faire quelques stages alors que j'étais pas diplômée, et puis au fur et à mesure, ça s'est enchaîné, en fait. Voilà. Je vais poser deux questions, tu en choisis une seule. L'idée, c'est que tu me donnes vraiment ta vision des choses dans une réponse assez spontanée, relativement courte. Tu peux réfléchir avant de choisir la question et les réponses. Alors, soit tu dois convaincre le gouvernement oula que le patrimoine est en gros le ministère dans lequel il faut à tout prix investir, que c'est primordial pour la société. Soit expliquer à Mr Bean qu'il ne peut pas, a priori, devenir un restaurateur, sans le vexer, bien sûr. Je te laisse le temps de choisir. Tu mets une petite musique, il y a un intermède musical entre les deux. Le temps que tu te formules. Mais écoute, je vais prendre Mr Bean, parce que je ne vais pas me lancer dans des considérations politiques. Et je vais dire à Mr Bean cette pensée de Confucius. L'ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses instruments. Voilà. Et puis c'est parfait d'enchaînement. Écoute. À l'instant, tu l'avais la suite. En fait, je la sais, mais comme je suis un peu... Voilà, je préfère ne pas faire d'erreur et citer Confucius, ses pensées, sa philosophie dans le texte, voilà. Écoute, moi j'ai des citations comme ça par cœur tout le temps dans ma tête. Ah oui, moi non.
Voilà, donc j'aime bien en fait parce que ces outils, on sait très bien que, enfin, nous, que pour les restaurateurs, ces outils c'est très important. Donc c'est une image figurée comme imagée. On adore se refiler des tuyaux et puis aiguiser son couteau à parer, par exemple. Et puis aussi dire que la restauration c'est une formation qui se fait, un apprentissage qui se fait toute sa vie en fait. Oui, voilà. Tout à fait. Merci, Confucius. Merci. Et dernière petite question. Est-ce qu'il y a quelque chose à ton propos, sur toi, qui peut être inattendu venant de quelqu'un qui fait ce métier ? Ça peut être un loisir, un trait de personnalité. J'adore chanter en karaoké, super faux, avec ma copine Marie. Ça me permet en fait de tout lâcher. Okay, voilà. On a besoin d'être toujours en tension. Ouais, en fait, j'ai besoin de tout lâcher. Donc, voilà. Merci pour ce petit mot. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Mais écoute, je te remercie de cette conversation vraiment informelle, agréable. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop parlé, pas trop ennuyé nos auditeurs. Voilà, et je te remercie pour ton accueil. Je t'en prie, on ne parle jamais assez dans ces métiers. Non, c'est sûr. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Pour information, le podcast est à présent disponible sur Spotify, mais vous pouvez toujours nous écouter sur YouTube afin d'interagir dans les commentaires. Si vous appréciez le podcast Art Hacker, n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon. Ça permettra par exemple d'acheter un deuxième micro afin d'avoir une qualité son optimale pour les deux voix. Un grand merci de votre écoute et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode.